et l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthese.com Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthese.com Batali Balandi, Bandeko, Bipa Yon Sobozwami, Mbote, Namabote Mabino. Merci d'être au rendez-vous de ce soir. Awa, Tozako et Maître à partir à Londres, les questions, débat, opinion des Congolais en général, afin de rebâtir notre pays que tous nous aimons, la République démocratique du Congo. Bandeko, Tozako le la politique, Toyibi qui tout ne va pas chez nous en RDC, la République démocratique du Congo, ou Yon surtout na diaspora, to salabe fort. On a besoin d'un fort, tu récites les lois comme et comment et pas y aller. Mais, na ko monopoliser parole te bande ko na zali ko déjà ko promettre bino bozala ya ko sepela et lobby confrère nanga moko tozane na plateau les lois bozala ndenge comme d'habitude te les lois na ko jouer rôle nga moko te retour na mituna to kozala bato misato. Mais avant de présenter bango, je commence déjà à vous rassurer que nazo yamba moto moko azali atanga politique na mboka o tozali ya Royaume-Uni. Azali politicien, y a formation, tout continent na yé témé, aniko et sabiso, tout ko lobe la sire, vie politique na yé, et puis tout lobe la na yé, ma kambo eza lelo na Congo. Parce que pour la politicien, mais ma kambo eza si ma nanope na Congo, te, diplôme non ope ou sa nanope, et l'orote. Voilà, on a toujours lancé appel na ba politicien, yon so ba docteur, bazana ba États-Unis o tozo ka ba ko postilé na Congo lelo awa na plateau na biso na Londres tozo ya moko na bino yé pas licencié tozo na ba docteur ba professeur mais na Congo tozo na besoin ba biloko. Bonjour maman Céline. Bonjour papa Lekes. Merci à Omono Lisusu na moko na lelo nga kote sengo Lisusu depuis tosa ki émission je dirais 2 mois passés to mon ami Lisusu. Santé bien. Qui m'est allé par la casse de Dieu. C'est l'équipe de ma casse pour te faire face à ma politicien, parce que ça va congolais. Merci, Kaka. Merci, ceux qui ont passé le micro et pas à papa Baïna. Maître Baïna, très très fort. Bonjour. Bonjour, les questions. Ça va? Kitoko. Ça fait très longtemps. On a bêté moi le moro. Tout ça déjà, on s'est perdu. On a eu ça qui va congolais, banda le lot, solo la bien, on a monté tout. À ce qu'on en a parlé les 15. Na plateau là na na kimia na bopete pour te solo la déjà peut te couper déjà malubomboka yo. Merci merci. Juste petite rappel mesdames messieurs, samedi prochain tokoyamba papa na biso invisible avec son groupe azali na milulu miné na zo salsa na service center oyo alobi na biso samedi to yambaye amekolo na biso que Congo est toujours équipé et puis na éviter soit to zala toujours na équipe to zala lelo. Donc je vous annonce déjà d'avance que samedi prochain to zala na papa invisible awa parce que le 10 septembre azali na réunion moko munene ko sala na service center. On est juste parenthèse mais mesdames messieurs nangi na présenter bino moto munene auto yambi lelo na Londres awa au nom de papa Justin Panzo que je dis bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous êtes à l'aise? À l'aise. Vraiment? Vraiment. Très ravi à Omona Yo. Vous êtes à Omona Naming na Congo, mais le lot à Londres, na baliti na yo banakala, na ba image de Mona depuis 2011, aux akolité, au tangé lango kelasi, na kokota na présentation nango, mais na bandina no, seulement na mbote. Bonne santé. Santé malamu. Donc moi je vis toujours comme un charme. Na moni pemé na yo, tous à Nandeko, Poutou Oyazali, secrétaire général ya mouvement na yo. J'ai dit rapidement aussi bonjour. Bonjour et puis à chanter des revoirs, ça fait très très longtemps. Nice to see you again today. Merci. Ensemble avec vous, je voudrais juste rappeler Nabandeko Bazota Labisso, papa Justin Panzo, Azali, représentant, si vous voulez, au président, il y a MFCD, la voix, de, le mouvement, pardon, des forces congolais de la diaspora.
Papa Justin, rapidement, tout côté dans la présentation, là, yo, qui est Papa Justin Mpanzo Nyangaza? Merci, les questions, pour ma question. Je crois que Obanda qui déjà pour introduire Ngai. Mais comme Nazana nous popularité comme Papa qui se dit par exemple, donc il faut qu'on continue qu'on me présente à cas en totalité. Donc Obanda qui donc n'attend pas politique na Mboka Boyo na université à Brunel, donc Naza licencié en sciences politiques, sociologie et relations internationales. Parler de l'Angleterre. Hein? Ouais. Alors moi petit parcours politique Ezali. Les nagui dans l'université, là qui quand même recruté dans parti politique Bougoyawa, c'est place à ils allaient parti à bas travailliste, bas révolutionnaire travailliste, ils en alliance na les bas parti, ben Azaki chef d'antenne pendant temps on Azaki na na université, alors on a pratiqué moi nagui pratiqué la politique à Bougoyawa des Ezali. Après en 2009, la kinda qui nazo ali Congo. Et puis, na dira qui na parti moko sur place. Là, na travaillé comme secrétaire exécutif chargé à mobilisation politique. Bon, na diaspora wa na travaillé qui na AFC, Alliance à Force Congolaise. Ils a dirigé par Fafa Longa, président Fafa Longa. Là, na bandaki comme président fédéral à Yukiawa. Après. Secrétaire permanent à bureau politique. Et puis finalement, le 4 janvier de cette année, on a vraiment décidé de fonder le mouvement Oyo, le mouvement des forces congolaises de la diaspora, le MFCD. Oyo pensa que la démarche des Alliés, il faut les légaliser dans le parti politique. Je crois qu'ils ont premier dans la diaspora, le dossier déjà des Alliés. Le ministère de l'Intérieur dans le Congo. Et voilà le détail. Vous avez déjà créé? Non, pas encore. Mais il y a un dossier déjà dans la Côte Saki. Et pour vous, il y a un Congo. Il y a un bon. Papa, juste nous offrons dans Londres, nous offrons dans le Congo. Tout ça, juste une présentation. Nous allons à Londres, nous allons dans le mouvement politique dans le Congo. Nous allons dire que nous allons dans le Congo, papa. Non, pas du tout. Je crois que mon lobby to kuta na kanoku na mingi dans za kanata. Je crois que na répondagi question on a pe na mettre baina la fois passé, donc have home in both countries ndeke balabaka, donc za na Congo, non na za congolais d'abord na kina besoin ben na passeport nanga. Je suis parmi bato azali que pour na za la légaliser na mboko na 1999, donc na za parmi bato to ki na ambassade wa to ba passeport wana malgré za mwatalu tilelo. Il y a un peu de temps pour nous. On a joué à Sika, on a joué à Sika, parce que le Congolais est allé. Mesdames, messieurs, comprenez déjà, il y a à boire et à manger cet après-midi ici à Londres. Papa Mpoutou, secrétaire général, il y a MFCD. Tout à fait. Ça nous fendons à Londres. Oui. Secrétaire général, il fallait que ça soit à Kinshasa. Bon, justement, merci pour la question, mais il faut retenir une chose. Nous sommes en train de travailler d'abord dans la diaspora, puisque vous savez. La diaspora doit décider sur l'avenir du peuple congolais. Nous ne pouvons pas être partout. Moi, je suis ici, à côté de mon président, et que je dis merci en passant des responsabilités qu'il m'a confiées. J'ai un lourd travail de mobiliser, sensibiliser, de faire parler, informer, puisqu'il faut savoir, c'est un nouveau parti et qui n'est pas encore officiellement parti. Nous attendons les démarches qui sont en cours administrativement pour légaliser le parti. Mais nous sommes un mouvement qui est né dans la diaspora, toujours pour le bien-être des Congolais qui sont ici, que nous devons aussi savoir, on a tendance à être négligé, ignoré, négligé totalement. Et pourtant, c'est nous qui faisons vivre les Congos. Si vous voyez les rapports du SR Mignon, rien que par année, les budgets annuels de la diaspora congolaise qui fait vivre les Congos, c'est plus d'un milliard et demi. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Je suis ici pour essayer un peu de mobiliser, faire fonctionner les partis en notre niveau de la diaspora. Moment venu, je descendrai sur... Vous vous rendez aussi à Kinshasa? Je dois me rendre, c'est mon pays. Je suis Congolais, né, grandi à Kinshasa, dans la commune de Lemba.
Je suis congolais indiscutablement, fils du pays. Mon père et ma mère sont de l'Équateur. Je suis mongol. Donc, je suis ici pour travailler pour le bien-être de ceux qui sont là-bas. J'ai ma famille, j'ai tout le monde. Je me bats pour les Congolais du Congo. Je ne me bats pas pour moi. Si ça dépendait que de moi, je serais tranquille dans ma maison, tranquille. Mais merci, merci, merci. On a beaucoup de questions à vous poser. Wana Toza, juste dans le début de l'émission. Ouais. Mais, je vais monopoliser la parole. Je me lance aux côtés à Maître Bayina. Maître Bayina, Talabandego va se présenter. Vous avez tout ça dans l'émission. Tout banda, tout na bango. Tout ça juste dans l'introduction. Tout le monde peut yoka. Vous avez dans l'ingénie na MFCDO. Merci. Merci, les questions. Micro. Merci, la question tournée. Ndeko président Justin Panzou, na ebie, bino kotina monde politique. Mais ce total imboka na biso RDC Congo, eza na dictature. J'espère ba respectera ba politicien présenté au bazan na bango na relation te. Cela veut dire loko la za na relation te na gouvernement en place. Est-ce que aza ko assurer biso nini ke hier, vous travaillez bien la partie politique. C'est ça, question de la tourne. Merci, réponse. Merci pour la question. Et ça, vraiment, question moi bien. Le problème, c'est que je crois que nous avons une stratégie, nous avons une vision. Nous avons une vision et nous avons utilisé la vision pour s'imposer. Parce que la politique, c'est ça. Il faut que s'imposer, nous avons une idée. Parce qu'il faut qu'on ait comme un vraiment marché d'idées. Mais je crois que les questions, pour répondre bien, il y a un tableau, ce qui n'a qu'à démonter place aux alliés. Rapidement, ouais. La question est belle. Ouais. En tout cas, il faut ça rapidement. Voilà. Merci. C'est dit que nous avons un problème. Ouais. Parce que les Congo, tout ça, le problème, il faut que la place aux alliés, bande d'indépendance, c'est pourquoi nous avons un fort wana. Pour finir cette politique paroissiale, où il banda depuis après l'indépendance. Tu vois, cette politique paroissiale, il faut remarquer la liberté, mais il faut remarquer les hommes forts. Vous allez remarquer, dans l'institution d'Abisso, on a des hommes forts. Et ça, politique, c'est le cas. Donc en anglais, on appelle ça « one strong man politics ». One zaki politique, et bien, il y a la paix d'indépendance, il y a Batumoko, il y a Makasi, pour contenir l'Abisso dans le Congo, il y a Mobutu, pour contenir le communisme. Bango pe bato ya risi bachaki par exemple mputamutu waza na Angola yekuru tishi kwa zali et puis banyirere bazaki bele donc one strong man pour deux makambu tout président mais système ango soko tali et ça la net zo continuer net pas na biso parce que quand vous allez au Congo au sentir que net ekolo ya makanda comment on appelle ça on dit les zonga tout est chef de l'état chef de l'état chef de l'état alors. Mais le réseau, ça, la bonne mentalité, c'est la culture politique. Alors, rapidement, ce qui n'a pas de méga pour démontrer. Place à Oni Congo, place aux alliés, aux outils. Nous avons ici, culture, donc, à Oisa Batou, avant la Bambouka. La Bambouka, le gouvernement a influencé la Bambouka. Au moins, Batou, ce qui est basé en bas problème. Bavandaka autour ya table tous autant na bandeko bazota la biso ba komi paro chao culture ouais donc il est très grande ba kendeke na église chaque ni et donc ça yango autant d'abord avant explication bon voilà donc here we have rural and villagers government have less impact on them they resolve most of matters by sitting down under a village chief donc ça tradition donc ce bazan likambu le ba on en français. Parce que les bandes de rebelles sont en anglais. Mais ils sont en anglais. Donc, ils sont en anglais. Donc, le gouvernement a un impact. Ils ont un problème. Ils résolvent. Ils ont vendu un chef du village ou bien chef coutumier. Et puis, ils résolvent les problèmes. Ce qui pensent que les gens ont vraiment résolvé. Peut-être qu'ils ont transféré les gens dans l'État. Mais ils ont un problème. Alors, tout ça, here we have people who do not. Who do participate in the government, although they were not 100% satisfied by the government and what is doing on in the country. Alors, awa tuzana batu, ubazo kuarke na 100%
Donc, bato yawa, baza tout ça na culture la participation. Donc, même ingana za awa. Il peut y avoir quelque chose à voir parce que Kendeki aux équipes candidats. Donc, tu veux croire que le gouvernement ouyo que 100% baso ça là. Mais toi, bah, peut-être sur ton côté, tu coquilles toujours que changer et le comment qu'on donc, des choses à awa. Au moins, donc, bato nous sommes baso ça là. Il y a des vrais hommes d'État na mboka wana. Mais puisque baza est tout fait na système. Alors moi, bah, là, qui ça fait ça, bah, vision à bango bien. Et impact dans la population et aux alatés donc bazawa et puis toi yawa oza subject culture il est tellement que ya situation bato yawa here we have people who are refusing to participate or get involved in the government system. They consider themselves self under a dictatorship or occupation. Donc ici il y a l'exemple où bato bazo kwarté na même gouvernement ba likut koyo kagoté donc ba biki no occupation mokeza kuna dictature tout ça donc on dit tokocha par exemple diaspora ndambo bato diaspora tokocha ba combattant na ba résistant et puis ba opposant mususu omoni donc voilà sikoyo omoni ndenge tozo linga to ya na culture o ya si monde ouvert à civilisation o ba benga culture o ndeto benga kawa l'homme intégré o intégré ni ndeka wa ibanda donc civilisation nde ezaliawa siko muta ko mesa bisa wa normalement le président en place l'élo donc d'accord sur bateau nous sommes bouillés tout y est de tout bouger à voir par exemple dans le lobby que constitution ce qui va qu'on respecter donc ce qui a respecté en gros n'est tout comme à voir pour bateau nous sommes comme à voir au moins this is a specific version of a political system or culture. The norm in here were near to bourgeoisie. It will assume the structure of a interactive in a political system of the country. Everyone will directly participate one way or another, even if they are not being represented. It is an integrated society. Citizens can influence the government. Donc, awa skole to koma awa, umona peneke, tukutuku munda kapunasunde to salati. C'est dit que peuple awa ako influencer, ba desu ya l'état. Umoni, et puis awa, donc, comment on appelle, intérêt général et vous allez awa au moins n'a pas comme à water de tous awa yango monde toujours considéré donc tout ça et ça nous et puis donc le Congo is not ready for democracy donc tous ça n'a pas le droit de démocratie pour l'élection de quoi le bâtir et ça démocratie donc tu te commences au comme à voir ce qu'on est pour former une nation à visiter qui est awa n'est ce que tu te longue awa n'est au commis awa au moins tu es la démocratie awa par exemple dans votre temps au moins Allemagne Espagne Israël Argentine, bah Venezuela, et ça bah démocratie. Donc ils ont une démocratie stable été, mais on appelle ça démocratie. Donc bah outa qui awa, bah yeskoyo awa. Au moins apprendre awa, n'est pas que les naba démocratie stable. Donc au moins par exemple dans les US, dans France, awa, bah Belgique, bah démocratie des Vanda plus de 200 ans. Mais dans le gouvernement où awa même les démocrates non. On remarque que bah ni mingi ça bah gouvernement. Oui. On remarque que bah ça capisse bah gouvernement ya coalition. C'est dit qu'ils sont pas, c'est pas encore une démocratie stable. Bon, donc, ils ont le bas, ils ont le côté qui est là. Donc, ils ont le tangi. Donc, il y a un moni, mentalité. Au moins, pour toi, vous remarquez que même Batou, et qu'il tire politique qui a changé. Vous aurez vraiment des politiciens. Il y a un moni qui a une mission, ils ont une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique dans le Congo. Merci, voilà. Merci. Au scénario. La démonstration ça livre vraiment aux autres qui s'acquiert mon tosa perd la matière yango la katinayo mais maman Marceline Kolanda ne copains au Koloboboye a ça quand même la société à Congo bah étape némissa tu as décrit bisoir comme une oya souka civic culture je crois que bah donner tosa nango na Congo na éviter yo monde nini au comité on a yo au diriger ma question. Merci beaucoup papa les caisses en fait bah comme nous sur tu ko tanga awa to comprendre yango. Mais vous allez peser comme là, vous posez aussi sur ma question d'une façon claire, parce que message oso passer en on a peuple au baso landabiso, parce que yoye pour diriger peuple, alors t'as voulu vraiment au simplifier en haut, bah tu vas comprendre, peut-être on a voulu peut-être on a correct poser les sur ma question, na moi façon mon goboué pour bander qu'on a biso balanda, et là on a ligné là tout na papa, parce que parcours na yo au tout le belabiso au sali politique na yo awa et lo kali boso na lingina na tuna est-ce que politique ya awa na ya Congo et kokani ou bien ya indifférence non et qualité
Et différence des alliés, culture politique n'est pas lobby. Awa pour bangou ba avancer déjà, ba l'équipe a été pour biso aux alliés, ba comme si koyo na niveau de que ba comment société moko intègre, le ba l'équipe déjà na ba civilisation. Donc bangou ba progresser sur comment mentalité wana et communauté héréditaire. Moni ezal ko na cause l'exemple. O moni bana no awa. Ba no awa, l'er moko même bana musu ko même biloka ko lia. Involontairement ba ningi na bangote. Les musu fo feed, no musu fo forcer. Mais c'est au Kenya Congo par exemple. Parce que nous parlons de notre pays. Joa siko bana oyayo, hein? Joa bana oyayo, oche bango, hein? Oji bana ya. Nino bafanda kana Congo, nanini. Bon, par contre, nous sommes évidemment. On ne veut pas dire que na Congo bat balia katini. Mais c'est oche, au moins la différence. Que bana oyayo ya Congo, on dirait, bah, qu'on précipite pendant mon a. Bah, j'ai mis le coup à balia. Mais bana oyayo, c'est dit que parce que ma bota mina, donc volontairement, bah, ça n'a pas gouna, ni babi keza wana. Donc, figure ça any time. Donc c'est ça. Donc ils ont différencié. Il y a une autre mentalité. Moi, différence pays Zali Lilo, je crois que yo muto vanda kana en Angleterre, na muto vanda kana Mayombe, je crois que différence Zali. Donc bango va avancer banine. Alors, nga bien sûr to lingi démocratie. Mais to ko copier kaka nyo sote. Pour nous, démocratie ba importe kango te. Biso pe to za ba critique wa biso. OK, faut to respecter malgré na démocratie. Donc voilà. Donc je crois que temps et kozala oui, les ambassades sucate, na ko continuer ko ya na nini na bino, pote na meka ko ya no la, ba ma sula ngondeza. Mais papa na biso, on boni que ekozala mwa difficulté par rapport ya réalité o ezana Congo, ndenge yo moko déjà ou tcholo baki différence eza total, que ya ko memela bango système moko o ezo ko kanana o to zana na Congo te. Deuxième chose ezali, tango yo olingi o s'enregistrer. Des bolobi que ma camion se en cours pour enregistrer parti politique na pilon na Congo. Eza na ba loi oyo bino fo bolanda. Ce qui olandi ba loi na te oza libanda. Est-ce que boko ko cop nango ou pas? Non mais oui, mais pourquoi pas? Mais tout ça na battre sur place, n'est quoi n'est na lobby. Biso do battre tout ça la participation. Vous avez les gens comme notre. Alors grand... c'est que ba loi wana ce qui olandi yango. Et oza difficile o lakisa bango oyo yekoli awa. Non. Politique eza ndenge moko. Na una yuko na kuna po ese bisi to sala to komata ile kubu bona polisi e uta wat e uta o ka batu sala na kungu e uta o siku to zo pratique mi biso nde volonté wana alo na ko rappeler wa ke politique ba iko la nka ka de façon soit o ke na investi o tangi yango soit o sadere na parti politique o bande ko yeko la tout ça aussi c'est un problème au moins net biso wana ba politicien de bout trop mais wana za théorie papa na pratique ko mama ka mususu non mais na sala ki wana si place na zaki candidat député na 2011. Je crois que monsieur quelque chose tout temps à Congo et ça facile les longues raisons c'est la diaspora à Changapoa ningé secrétaire général tout le la main qui donne c'est la main qui dirige ngai les longues qui diaspora à Changapoa nous avons des moyens je veux m'imposer donc s'imposer na merci na monsieur Panzou bakal voilà. Tous que nango diaspora Changapoa diaspora ou abo Changapoa diaspora à Kala mais tu y habites qui est derrière toi. Ce qui peut Kabila Mazo Tindayo au Salabo diaspora salopoa. Mais essayez un peu de souffrir un peu, Nazo Nila Baïna, Namakambo, jusque là, dans la présentation, Namakambo, Oyo, Papa Panzo, Azolo, tout ça, la présentation. Au coquille, qu'on convaincre la population, tout ça, la Nengenini, Potondima, la présentation, Yazo présenté, Bissot, Nashema, Oya, la télévision. Merci, le 15 show. Bissot, nous allons tout ça, l'inapé à comprendre. Mboka na ya Congo, eza na dictature. Mboka na ya Congo, baza na ba norme la bango bango bata msa mboka. Siko na ba logiko ya zo ke inango. Yo talisere ya misa diwa. Ozo tune kesyo. Nazo tune. Po Marceline nazo lobane ba realite. Na ba logiko ya zo ke inango. Na Congo ba lingi ba logiko wana te. Alors, azo mwono ngote ke logiko ya zo ke inango. Eko zape ke azupe ki bo konza ngote. Appel de tanaye. Appel de tanaye pe damsowe 20 à 30 ans même. Alors, changer le système un jour pour. Deux horaires. Merci. Pardon. Deux horaires pour M. Tshisekedi. Aza ben la logique aura même y a été. Mais 32 ans, au pouvoir. Pour dictature à Nambouk. Parce qu'il y a une dimension, il y a un boulot, il y a une idée. Alors, changer mon Congo. C'est ça. Oui, bon, merci. En fait, essayez de souffrir, parce que tout ça, il y a une idée. Pas de problème. Pas de problème. Bon, je crois qu'il y a un solo na Mukili. Na suri na nzambe, na suri na bakoko, omuni nzambe so alubi telema kende, muda kositopete. Si se moto zanango, evidemment, pourquoi tozo bunde sa ou? Parce que ça bien te. Pour ça, ça qui bien.
Alors, au moment où tu as un exemple à Papa Kisekedi, pourquoi a changé? Et je crois que dans le bac à mon émission, c'est le seul candidat président Oyo à convaincre ma Congolais pourquoi il a comme président. Alors, l'état des droits. Dans l'état des droits, on peut condenser nous. Donc, ce qui est comme l'état, tu as un donc, tu as un problème. Mais tu peux te rendre compte dans un pays riche comme le Congo. Ça me fait mal. Je ne sais pas si tu as un problème. Donc, avec l'appui à secrétaire général Poutou et la diaspora, et la bâton, nous, ce n'est pas sur la volonté de changer Makambo, nous allons changer ces pays dans la direction bien. Donc, une nouvelle classe politique. Je vais aider finir la famine au Congo, Nzale Pekisama. Je vais aider finir les 40 ans de la musique et de la danse et remplacer ça par un 40 ans à Moussala. Donc, on va donner l'opportunité à Bandako. Ce n'est pas que je musique, mais on va faire tout autre espèce d'opportunité à Bandako. Tout et tant que Moutoumouka Salaka, pour pas que je ne pas parler à la musique à bien, on va encourager la commune, la salle de fête. Comme ça, si on ne pas jouer à Banzela, et à la tête, au moins, pour ne pas raisonner. L'éducation, parce que Makamoutou, il faut que je donne l'éducation. En tout cas, éducation obligatoire. Donc, moi, la première fois, si c'est primaire dans secondaire. En tout cas, ceux qui parlent à sali, négligence, c'est moi, parce que vous allez offeler. En tout cas, par rapport à prison, tu as un fils que moi, 3 mois. Et puis, on a aussi ça, idée, enfin. Et puis, puisqu'il y a une discipline, ils ont trop en abyssaux. On a proposé, même dans le gouvernement, aux alliés, que moi, tous ceux à 6 secondaire, avant, au moins, on a 18 ans, 10 à 30 ans, il faut service militaire obligatoire. Il n'a ni caca après aucun connaît finalement. Pour tous ceux qui sa discipline, parce que nous ne sommes pas disciplinés. Toi, la critique, nous avons des ordres. Donc, pour tous ceux qui sa discipline, moi, je suis comme armée de la discipline. Moi, dans ce cas, tout ça va payer, je suis pas ça là, je suis Simba. Donc, pour tous ceux qui sa discipline. Voilà, pour tous ceux qui sa discipline, tout ça va question belle. Ouais. N'oubliez pas qu'il y a un secrétaire général du mouvement Nayo. On a une question. On a une question. Au pic, Moko, ça dépend de l'année. Vous êtes professionnel, vous êtes toujours dans temps pour sa émission. Monsieur Mputu, on a une question, Moko. Makambo au président Pamzazolo, parce que j'ai déjà entendu, Batunyo Sobalo Barango, Bakenana Congo, je vais devenir ceci, je vais devenir cela, mouvement Zabienté. Yon Dimi Oza la secrétaire générale, Yali Kambo, Yoseno, Bakongolais diaspora, Bazo Monake, Ezana mon avenir te. Azolo Bakiako changé Congo na boy. Azolo Bakiako changé Congo na boy. Vous vous attachez toujours à ça? On a mouton épanoui. Merci pour la question, elle est très pertinente. Et je salue votre esprit. Toi qui es la lingala ou bien tout. Je me sens laisse à la langue dont je parle. Okay. Je suis congolais, je parle la lingala très bien, okay. Mais il faut quand même. Tu es au préféré le lingala. Il y a des mots, ça peut m'échapper. Oui, mais tu es là. Tu peux parler en lingala, mais tu peux parler aussi en français. Merci. Bon, c'est au ça. Fait, le problème, il y a Congo. Et tout d'abord, on a un choisier à 100%. Autrement, je ne serai pas avec lui. Je suis quand même, pour ceux qui me connaissent, en toute modestie, je le dis, un homme incorruptible. Je ne m'attache pas à quelqu'un par rapport à ce qu'il a, mais par rapport aux idées, à ce qu'il est. J'ai eu à avoir un entretien avec lui pour savoir où est-ce qu'il nous amène. Je me rappelle Jésus dans la Bible, je suis chrétien, un exemple pertinent que tout le monde connaît. Jésus est venu, il a trouvé Pierre en train de pêcher toute la nuit. Il a dit, Pierre, laisse ça, viens avec moi. Je ferai de toi pêcheur des âmes, des hommes. Et Pierre a dit, comment je vais te laisser mon travail? J'ai nourri ma femme, mes enfants avec ce travail. Quand je te suivrai, qu'est-ce que je gagnerai au retour? C'est-à-dire, moi aussi, j'ai posé la question au président. Tu nous amènes où, ta politique? Quels sont les moyens pour arriver? Il m'a donné les moyens, il m'a donné les garanties et je vous dis... Si vous pouvez entrer un peu en détail, Coco Sabatoiso Talabiso, quels sont ces moyens? C'est ce que nous voulons les entendre. Les moyens, ici. Premièrement, sa sincérité. Ce qui manque au Congo, ce n'est pas les gens, les hommes forts, intelligents, beaux français, des diplômes. Les Congolais n'ont pas ça. Vous ne parlez pas des moyens financiers? Les moyens, on n'en manque pas. On n'en manque pas. Nous avons les lobbies, nous avons les soutiens de partout. Nous avons les contacts. On ne va pas tout dévoiler ici. Il y a des secrets internes. Nous avons les moyens. Nous aspirons à postuler à la présidence. C'est une affaire des millions. Entre guillemets, vous savez, Obama, il avait un débit trop faible que le sien. Mais Obama, il est président. Il n'était pas millionnaire. Qui connaissait Obama 2 jours avant qu'il se prononce, même pendant qu'il était sénateur. Nous, on a les moyens. Mais Obama fait campagne. Il a besoin de financement. J'interpelle, je lance mon appel solennel à toute la communauté.
soutenez-nous financièrement, matériellement, avec des idées, avec tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Le seul, jusque-là, dans toute la communauté, qui est crédible, honnête, transparent, humble, soucié du peuple congolais pour l'intérêt. Il fait la politique, pas pour enrichir les poches, pas pour s'acheter des maisons, pas pour avoir milliers de femmes, mais c'est pour que le bien-être du Congolais, sur ces bases de ces valeurs morales, hein, qui est rare, vous n'en trouverez nulle part. Je ne vais pas vous faire un discours debout. Vous savez, beaucoup de gourous de la politique et les papas qui ont commencé avec nous avant l'indépendance, qui sont aujourd'hui, il y a des soupçons de corruption, d'une manière ou d'une autre. Un homme correct, ce n'est pas qui est milliardaire. Un homme correct, ce n'est pas celui qui dit des belles choses, des belles paroles pour séduire. Un homme correct, c'est la motivation, l'intention initiale. Pourquoi il fait la politique? Moi, personnellement, mon cas, je m'étais donné le principe, condition, je m'attacherai à quelqu'un qui cherche à sortir les Congolais de la pauvreté. Mais c'est le cas chaud, pour votre information. Les Congos, ni les anges me contrediront. Les Congos, ma très chère patrie, c'est le pays le plus riche potentiellement de toute la planète. Mais allez dans les rapports du PNUD, le Programme National pour le Développement, les rapports des Nations Unies. Les Congos, les Congolais, c'est le peuple le plus pauvre de la planète. Quand je grandissais aux environs 80, Soyiba Bengio, yo éthiopien, au Léli toute ta vie, Lélo Éthiopie et l'équipe Congo 60. Allez-y comprendre, si on reste à la maison avec cette réalité, c'est plus que la mort. Donc c'est par rapport à ces choses-là. Mais pour finir ma phrase, je dirais ceci. Nous sommes, mon président c'est un Congolais, fils du pays. Nous avons une crise identitaire. Vous avez intérêt, même vous, monsieur le journaliste, après votre travail, vous devez sensibiliser la communauté pour soutenir cet homme. On n'a que lui, il est incorruptible. Il fait une politique saine et sereine. Alors, pour l'intérêt. On commence déjà à citer avec vous. Voilà ce que j'allais avoir. On commence déjà à citer. Alors, messieurs, ne croyez pas que Bissot Dozali est facile à corrompre ou à sensibiliser les gens pour vous. Maman Marceline, au monité Batoyo, Papa Panzo, pourquoi il n'a pas de pour battre ma question. Vraiment, n'a besoin de l'anan ou papa Pichou, papa Poutous, Bolimbisi, papa Langala, moni vraiment au lobby mingi, moni masolo oyo toyo kiango mingi, papa leke sa bouti déjà au lobango, bas slogan, komanango toko bongisa, toko changé, Congo eza, pays le plus riche, tout et tout, toyo kiango. Nelo kona lingana on a comprendre, parce que batounion, solo toko mina plus de 400, ce qui 75 partis politiques. Rôle nanou ya parti politique. Moi ya bango. Rôle ya parti politique na katia mboka. Ezalaka nanou nini. Merci. Le Congo a 479 partis politiques enregistrés. Mais sur ces 479, il y a 470 partis du ventre. Et il y a parti comme institution pour faire fonctionner l'État. Tout parti n'est pas parti. Il y a des gens qui sont tombés à force de ne rien faire, l'âge avance. Il s'est dit, bon, n'a qu'il n'y a comme un pasteur. Mais il y a combien de pasteurs sincères appelés par vocation? Notre parti est venu faire tomber la voile. Nous faisons la politique pour les Congolais. Mon président, c'est quelqu'un qui vit bien, je dirais même très bien. Papa Poutou n'a tout ni rôle. Je vais quand même... Martelé, il ne fait pas la politique opportuniste. Il ne fait pas la politique. Il n'y a pas de preuves. Non, je vous dis jusqu'à là, croyez-moi, c'est moi qui l'ai dit. Il ne le dit pas. Il est mal placé de le dire. Je l'ai dit, je mets ma tête à couper. Mais oui, parce qu'on a secrétaire, Maé. C'est le contraire de ce que je dis. Lapidez-moi. Les jours que je verrai moi-même. Réponds-moi à ma question, monsieur Poutou, s'il vous plaît. Bien, voilà. Rôle, il y a politique, voilà. La politique. Parti politique. La politique sert à gérer les deniers de l'État pour les rendre au peuple acquis des droits. Gérer un politicien, c'est comme le père de la maison. Il est là pour travailler, pas pour son intérêt, sa femme et ses enfants. Si un politicien prend les deniers de l'État pour se servir, ce n'est pas un politicien. Il ne faut pas les croire. Malheureusement, vous aimez ce qui fait beaux yeux, les gens sincères. La politique, c'est comme l'homme et la femme.
Les femmes, souvent, vous avez tendance à dire, ah, il est beau, élégant, belle voiture, il me conduira tout ça. Mais c'est quelqu'un qui vient pourrir votre vie. Mais un homme qui passe inaperçu, aucune assurance, et vous le minimisez. Mais 5 ans après, vous commencez à pleurer. Je vous dis qu'il est là. Je vous dirai souffrir avec tous les respects, sans vous interrompre. Il y a quelque chose qui a été dit, je ne la laisserai pas passer inaperçu. Au Congo, ce qui nous manque, ce n'est pas les hommes forts. La maladie qui tue les Congo. Vous citez par là déjà. Hein? La maladie qui tue mon pays, monsieur les caisses, avec tout le respect, je vous crois intelligent, permettez-moi de finir ma préoccupation, elle est importante. Vous citez parce que nous avons beaucoup de questions. Alors, je dirais, le problème du Congo, ça nous manquait des gens idéaux comme monsieur Justin Panzou. Les gens sincères qui vont rendre les institutions fortes. On n'a pas besoin des hommes forts. J'ai suivi les discours de Obama quand il avait rencontré les étudiants africains à la Maison Blanche. Il avait dit que le Congo a besoin des hommes crédibles, honnêtes. Et le Congo a besoin des institutions fortes. Une justice forte. L'impunité, c'est ce qui tue le Congo. Prochainement, quand on aura le temps, je vous amènerai la liste de gens qui ont abusé et qui aujourd'hui traînent dans la rue dans toute liberté. Ces gens devraient se retrouver en prison. Qui doivent nous rendre compte? Un président, un dirigeant qui fait ce qu'il veut, il ne rend compte à personne. Vous savez ce qu'on appelle l'émission question au gouvernement, en France au Parlement. Non, vous chutez déjà parce que... Le premier ministre vient chaque mercredi rendre compte de la manière dont il gère le pays. On est mais au Congo, ma tête en pognon, ne raconte à personne. Et quand on lui donne les erreurs, il dit... Vraiment, merci. Nazongeli, monsieur Justin Panzou. Papa Langaï, Outi. Papa, on doit convaincre. Il ne m'a pas convaincu, papa. A convaincu Langaï. Merci. Nalobi, papa, la biso panzu. Na zongeli nanouye, yazamoutou, ya parti politique. Na lingena tout nanou, papa Langaï. Philosophie na moukousse. Philosophie ya parti politique na binozanini. Yango nalobi. Ligne de conduite la moutou a capté. Comme même la biso, ma camion soit en vrai que t'es n'ingé baso, même la biso. Voilà. Une nouvelle classe. Politique. D'abord, une nouvelle classe politique. Alternance. Vous voyez, donc je crois qu'aujourd'hui, une nouvelle classe, voilà. Quand il y a une nouvelle classe politique, l'ingé secrétaire général de Koloba. C'est vague, que, papa. Non, c'est pas vague. C'est là, voilà, au moins, même les Kambo et la Bible, au moins, l'ingé salibat moutou passe. Ma père a calabassa, on va le dire, tant qu'il a rabino pour, hein, pour comprendre en gros bien. Je crois que oui, c'est un peu. Au moins, démocratie, c'est un peu démontré. Si vous avez une démocratie, vous avez une démocratie. Le premier année, un politicien, je crois que je l'ai dit et pas mettre là. Un politicien, ce que Tanguy fait la politique, et qu'on a convaincu, et ça n'est pas un Tanguy doctorat. Un Tanguy théologie, pour comme un sang ou bien pasteur. Donc, et le coup, il y a les en tant que politicien, je dois d'abord sauver la nation, sauver la nation, changer la vie, il y a le peuple. Donc là, je dois créer l'intérêt général. Je vais aider avec ces partis politiques, recréer l'intérêt général. Où il y a le Congo et Koufa. Dans cet intérêt général, comment est-ce qu'on se retrouver pour l'éducation et cause là, hein, au bistro bien à quoi nini. Et les chèches, nini, mais le quoi nous, on est comme des gens qui nini. Ce projet de société n'est pas autour. Moi, ici, je triche politique, mais basali. Moi, je suis ceux qui l'ont abandonné, mais ça tellement visionnaire. Au Congo, déjà, tu vas comme autant, déjà la balabala, ça n'est. Donc, on se refait. Papa, s'il vous plaît, n'importe. S'il vous plaît, papa, les questions ont passé, maître Baïna. Si quoi, papa, parti politique nabino. Ils a parti politique de gauche, de centre. Ou bien ça un parti politique de droite. Non, au moins c'est justement Yangwana. Tu vois que les gars ont coupé à côté. Maman Zolo Babou, vous êtes centriste. Voilà. Vous êtes kabiliste, tout vous en opposition. Nous sommes des conservateurs. T'es tout qui n'a rien à Congo, papa. Mais c'est ça, justement, ça vous va être mieux. Mais tout ça, Non. Rien à dire. Problème est aligné. D'abord, le Congo n'a pas un système politique. Pour votre information. Vous êtes devant un politicien de formation, pas un politicien debout. Le Congo n'a pas un système politique. Donc c'est difficile que vous dire. Tel a quand même un parti politique.
Les gens s'adhèrent, même quand on a Zawa. Pourquoi on a révolutionné qui fait la salle à partir? Il y a des groupes dans Kota, à ta papier, Zate, au Tanga, idéologie. Wana. Moi, j'ai l'idéal. C'est ce que j'ai dit. Et le Koka, c'est permanent, on a visa changement. Donc, le Congo, toujours changé. Donc, tu as habité sur Zakota, l'opposition. Je dis bien que nous sommes des conservateurs. Donc, c'est comme la conservation. On est en Andenga, on est en Andenga. Bon, qui tire la vie de Zani. Dans Congo, on a fait ça. Non, permettez d'éclaircir, maman. Oui, quand on a Congo, on a placé un chocolat, on a mis les petits cotons, on a mis les hôtels à Moutabouma, et on a mis Papa Lom. Pourquoi? Parce que c'est la culture là. Donc nous voulons conserver ma Makamoussou sur les Ali. Il y a Kibumu Pinabiso. Et Nandere, il y a l'Afrique. Mais voilà. Vraiment, Mathis, si vous voulez, nous avons convaincu pour la situation à Moka. Moka Nabiso. Nous avons répété à mon ami pourquoi. Le peuple congolais a commis un besoin de soulèvement populaire par rapport à la dictature des Ali Moka. Yo, aux premiers politiciens qui ont changé le système politique dans le Congo. Il y a beaucoup de politiciens dans le Mboka qui ont besoin de bounda, besoin de rater. Si vous avez une autre question, toi tu croyais que la politique nous tenait dans le poto, pour qu'il y ait qui, devant un pays dans la dictature, tu te laisser aller. Écoute, la RTMC, la banque, nous l'égater. La politique, aux autres qui est dans le monde, la chaîne nationalité. Ok, la question, monsieur. Si quoi, la question. Pour la Nité, ok, non, la rébellion. Merci rapidement. Merci. Tombé ta sico pampan. Tombé ta pampan. Ok, non, la rébellion. Voilà. Rébellion, ça a permis la politique. Je ne dis pas que nous la rébellion, mais rébellion, ça a permis la politique. Les injures, ça a permis, ils ont la place dans la politique. Par exemple, mais rébellion, par exemple, c'est politique. Donc, quand vous êtes devant la situation, vous voyez, où ils allaient, tout le monde a dit, quand papa Laurent Désiré, il y a qui pour la rébellion, parce qu'ils ont des droits. Donc, ça a permis la politique. Mais ils ont optionné. Au moins, une dictature. Non, c'est pas qu'ils ont optionné à gâter, mais là, on est là, là-bas. Dictature, on est là, là-bas, c'est pour ça. Les Congo, ils ont encore là, ils ont moins bien, ils ont occidentaux, américains, banit. On a sauvé un bango, je crois que des fois passé au lycée Cassène. Tu as sauvé un bango. Bango, c'est quoi le problème de bango les années? Bah, l'ingi sous-souté, bah, comprendre que le peuple congolais paie à la mouki. Moi, quand je pose la caca, regardez. Et là, comment on va causer un ennemi? Bah, lui, il y a un azo le bawake. Kende, impose-toi, n'est-ce pas, voilà, monsieur Azali, Nakata Congo. Et puis, parce que l'ingi, c'est quoi le congolais? Baba de Kopona. Bateau, on va diriger Bango. Donc, on va supporter ce souffrement. Présent. Voilà. Donc, bien, nous avons dit que nous avons une question. Après, nous avons une vertu et battement. Nous avons déjà la bas solo. Nous avons décidé. Mais à partir de la question, nous avons une vérité. Alors, nous avons une relation avec l'Occident. Mais au quoi ça, les Cambodgiens dans le Congo, ça. Babindele, oui, oui. C'est tous les Américains. Je vais vous faire un exemple. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit papa, ma cambrouille. Vas-y, maman, avance, question. Pourquoi il y a rébellion? Un gars qui échappera, si vous permettez. Je ne suis pas là pour parler. C'est le président qui parle. Je peux juste assumer quelques vides. Pour la rébellion, notre seul objectif, c'est le Congo est occupé. Il y a l'occupation et les occupants. Il y a un système. Nous combattons l'occupation, nous combattons les systèmes. Par le moyen des rébellions qui est permise, entre guillemets, en politique, toutes les voies sont probables, abordables et négociables autour de la table, qu'on ne dira pas ici, pour que nous fassions partir les systèmes. Pas seulement les Kabila, puisque je sais, constitutionnellement, j'ai prévu, puisque pour du temps, j'ai amené la constitution du Congo, qui prévoit qu'il y a un mandat renouvelable une seule fois. Le régime actuel n'a pas une issue de sortie. Ils vont partir d'eux-mêmes, rébellons ou pas rébellons. Même moi, tant que Congolais, je ne veux plus continuer à voir mon peuple mourir. Alors, le peuple sont tellement. On a beaucoup connu des décès, on a perdu beaucoup de gens. Je ne veux plus les soulèvements populaires ou la rébellion. L'occupation, les systèmes et le régime ici partira le 19 décembre à minuit. Quand nous allons nous réveiller,
le 20 janvier, le 20 décembre, nous allons connaître une nouvelle lecture de l'histoire du Congo sans précédent. Ça, je vous le garantis, Kabila et le système partiront. Avec nous et tous ceux qui nous sommes en concertation, les gens du terrain, nous dans la diaspora. Si, vas-y, vous citez déjà, vas-y. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Poutou. Nazo qui est directement par monsieur Panzo. Pour outil koloba awa que non, ou outil ko solola naba décideur. Papa, est-ce que vous croyez que Bino Boleki et Chen Tisekedi ou Asolola naba décideur pendant plus de 30 ans? Différence et Zanini, il y a eu cause à la spéciale. Parce que ma décideur Wanande Obazoe Bisati Sekedi, Salaboué, Salaboué. Le même décideur Nde Obache Kabila. Finalement, changement en même procédure. Est-ce que Bogo Luka, stratégie moussou tes papa, c'est comme si tu osais tourner à rond. Merci vraiment. Au moins une question à Yoza qui t'a commis. Il y a un autre lobby, tu as lancé les lots appel à Awa. Diaspora, tu as 10 millions. Au moins, tu as 5 millions, tu as 10 dollars. Tu en as combien? Donc, et qu'on permette de implanter le parti politique au Congo. Et puis, donc, au moment où ceux qui sont supportés, on a tout vite fait. Papa, tu as un engagement, tu as un papa. Ah, ouais, tu as un diaspora. Pour le moment, on a RDC Mobimba. Tu as un engagement, il y a un soulèvement populaire. Parce que la stratégie à politique est similaire au Congo. Depuis que tu as bandit dans ma politique, papa, nous souffrons. Alors, au Banini, n'a pas un soulèvement populaire. Mais je crois que Ezo Kende, n'est-ce pas la question, maître Tounagi. Abi, que ce qui système, Ezo Yokate, Ezo que la peuple était, donc le peuple est en opposition. Wana. Déjà, on a dit que tant qu'on est là, on a mis au essayer. Au moment où on a la souffrance, on a fait essayer. Mais n'est-ce pas le bas, on a soulevé ma campagne, soulèvement populaire. Mais il ne faut pas que ce soit un désordre organisé. Il faut que ce soit organisé. Il y a l'opposition aux Isali, Sikoyo, et autres, tous se mettre ensemble. Mais nga problème nga zan. Manque au leadership dans la diaspora. Pour diaspora, ah ouais, peut-être que nini nako tika secrétaire général atanga et communiqué tout ça, je crois que c'est le temps au tanga yango pour na par rapport à la crise politique wana. Non. Oh Isali que par rapport à la question maman a posé. Voilà la réponse. Ah bon, ok. Donc c'est ça le problème. On ne va pas seulement être là. Neti, permettez-moi aux amis, mais na vie de l'obaga. Tout ça passe c'était comme tout dans le vent d'agaka, tout à la caca. Mais quand on a l'oubli, ma campo par exemple, il y a bah occidentaux. Pour toi, expérience des Isali. Yo mon l'oubli, bah tiens, mais quand on a maman seul, nous sommes et ça, c'est impossible en tant que politicien. Peut-être que je ne suis pas là. Oui, il y a trop de choses. Oui, il y a des il faut que je ne sois pas là. Présent, pardon. Pourquoi vous, des politiciens congolais, vous avez un langage politique, mais un langage à soulèvement populaire, vous avez un langage. Tout le monde va payer l'Afrique. Va libérer un soulèvement populaire. Mais votre politique, là, au sein du Congo, ils ont changé le rôle. Kabila, c'est un dictateur. Toi, tu croyais que Kabila n'a pas eu rébellion. Alors, tu que le bureau a facilité la boue. Mais justement, Le problème est Zanine. Et ça, Yangoana. Donc, il faut alternance. Il faut que l'on ait une alternance. Donc, dictature ne change jamais dans la démocratie. Il y a un pays où il dictateur dans le monde a changé comme un démocrate. On a Kabila le père, soit pouvoir le condamner. Mais qu'est-ce qu'on a? Non. Tout le monde, c'était mon côté. Le problème, c'est que ce qu'on a, c'est la dictature. Donc, dictature ne change jamais dans la démocratie. Donc, le président Kabila, je crois qu'il fasse à la histoire. Il a fait 16 ans. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est que le président Kabila, je sais qu'il est taiseur. Mais s'il veut continuer, à Kende Banzila, Ndegazo Salaté, qu'il sort. Dans le silence, naïe, venez expliquer au peuple congolais pourquoi il veut continuer. Président, pose une question. Mogo Nazarango, ngala tunayo. Vous êtes la diaspora, tout le monde na diaspora, n'a comme président du Congo. Je parle des professeurs John Malala aux États-Unis. Je parle de Bosolo Laranaba occidentaux. Matungulu. Matungulu. John Malala, même Tozan va pasteur Chims. Bazana ba mindele simana bango bozo yo kanate bino yo sona na ba mindele na bino bozo zo zo na ba pembeni na ba simanda na bino po ba sunga bino. Pourquoi vous partagez chacun est président à son point? Pourquoi? Bon, d'abord, exact, c'est mon rôle facile.
ce qui idéologise à mon côté beaucoup de temps à mon côté je crois que bateau va sembler la camille ouais parce que mon chose Pardon, mais pour mes années, ce qui nous taillait la télévision, pas la bino, à lobby que décider à lobby, ce qui n'est pas la minute, ces gens-là, parce que j'ai eu cette chance, ils ont été clairs, ils ne veulent pas répéter, vous comprenez un peu, donc, Bazana, je le reprends ici. Le problème, c'est que les Congolais, il y a diaspora. Naba combattant, peut-être que tant et Kozala, c'est que tant à Yango. Au moins, Moussala ou Salamiawa, il y a combat. Donc, il y a effet. Au moins, il y a effet. Les bateaux de Roubaix à Badesder, ils ont compris que les Congolais, les Vonabango, et comme au moins, par exemple, on peut se mettre à Koko Babes, à Colonel Zabiso. Jour bamola congolais à Yanambeli à Tuba nani cheval wana police le colo avec donc cheval là donc comprendre mais congolais oyo ya kalayé ka rasuté donc ils ont bazo changer stratégie balbi boyé balingi congolais apona muta ko diriger même na maidu ya bezu pour direction ça pas perfect était mais ba pona parce que ceux qui même élection zande to le par exemple ils allaient bien mais quand même ba tupe ba pona muta azali ba pona avant na pesa mettre ba ina micro ba pona année oyo Yosa président de nouveau postulé en Congo. L'élection aux Alatés, aux Alatés. Et aux Alatés. Par rapport à Nengeni. Non, mais on a le but. Il y a un message. Je crois que quand on appelle un message, c'est cette crise politique aux Alatés. Ils ont le coup de la détente. Parce que c'est clair. Constitution et lobby, il y a des parlementaires, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Après, il y a des crises. Mais moi, en tant que politicien, ceux qui ont été en gouvernement, je peux saler ça. Mais parce qu'il y a crise aussi des politiciens. Dans le but, on va saler de l'autre côté. Mais. Tu sais. Pour ça, c'est un pouvoir de l'opposition. Non. Moi, je vais aider ce pays à sauter de l'impasse. En quoi? Non, mais non, non, non. Parce que moi, par exemple, moi, je vais te dire ici, en tant que politicien, je vais te dire que le gouvernement, tout est permis à postponer l'élection. Mais comment? Ce que le gouvernement est sincère, net yawa. Ce que je veux par exemple, les Namete, tout ça, on a joint, et que ça a problème. Parce que c'est sincère. Mais la question de mon côté d'actualité à Mikolo. La question de la tout le ils ont bien la sagesse. Pour le moment, les politiciens au bas en Europe, vous avez en UK, vous avez en France, en Belgique, mais États-Unis partout. Si vous êtes au Burkina, vous avez décidé de Rwanda. Et c'est bien nous sommes au Burkina, beaucoup de présidents, tout le monde qui est dans la poste, qui est premier ministre, tout le monde qui est député. Bon, on a un Yébi, on a un Yébi, à ta 15. Oui, ça n'a rien de voir au champ à présent. Oui, ça n'a rien de voir au champ à présent. Voilà. C'est quoi, président, c'est quoi, bon, pour faire du temps, je crois que. Je crois que le secrétaire général a bien souligné, c'est un point. Moi, je n'ai pas dit que Nassoukine, comme pour président, il ne faut pas pour Nayou. Il ne faut pas pour Nayou, peuple. Après, au commis, président. Mais, souhait à parti politique, tout. Et Zali, que pour un jour, il challenge pouvoir. Vous comprenez? Donc, souhait à mon, ceux qui ont fait partie. Donc, bien sûr, dans la campagne, il y a une sensibilité, mais il y a un Tina Congo. On va mais il y a un peu aux anges. Naïbs c'est quand on a une mission là. Il y a des gens qui se disent qu'ils veulent devenir président. Ils n'ont jamais expliqué aux Congolais pourquoi ils veulent devenir président. À part papa qui sait que nous on a une mission. Mais le problème c'est Congolais ont une explication de ça souffrir à toi. Congolais ont la paix. Mais il faut qu'on mais il a dégage. Non. Et qu'on s'y batte. Que Kabila qui dégage et puis il faut pas institution et il faut tout trace maintenant basa sérieux na mutu ambo sokite. Donc répéter. Il y a des gens qui sont minute au net au lobaboué. Ce qui est présent à Bila à Longwe et que si c'est Mouzo Kounegabo, il est changé. Mais le problème, c'est que le monde est dictateur. Bolomoni dictateur, Bino va t'assurer. S'il vous plaît, micro. Bolomoni dictateur, Bino va t'assurer. Ah, mais non. Est-ce que nous avons le pouvoir? Il y a qui la politique? Il y a qui la politique? Mais il y a un mot à l'oublier. Au moni, dans l'anglais, c'est bon. The only thing that is permanent in life is a change. Donc, quand ils ont permanent la vie, ils ont changement. Donc, moi, je crois dans le changement.
au moins nous avons un changement. Il y a un autre rôle avant tout dans l'émission. Je crois que nous avons une conversation avec maman journaliste. Tu dis que au moins par exemple, ville morte et zongi. Mais l'idéologie a 20 ans passé. Est-ce que Kosimba kaka tisiku? Est-ce qu'il faut que tu utilises l'idéologie wana? Il y a autre rôle au soulèvement populaire. C'est bon, mais il faut les là cadrer. Il faut ça la planifier. Moi la politique n'a besoin de bon bazungu bazala ba président. Ce qu'on tourne mutaza na parti politique comme président mais attend la kazangule msosi ya nana komate. Il connaît pas les problèmes de ces pays. Il connaît pas ces pays. Donc ça la makabongote. Moi ici to lobby boye diaspora biso batuza na ba moya. Ba tia biso mbongo, ba tia biso poids to installer mouvement oyo partout dans na Congo. Et puis on va au parti ce qui ba élection hier. Pardon. Ce qui différence les ali na ba parti politique wesa na Congo. Oba zo bunda ga ndenge yo zo bunda. Bango ba fandi wala ba miso ba 15 ans, ba 12 ans, ba 20 ans. Zo mpan, ba resili na mte. Toi ti kwaye ke na ndenge na yo. Tango okende wa mba mwuna, wa installe parti politique non, ba ndime mba mwa mwem ta koune za deja. Mais eza yon na lobit, je m'impose na ide. Eza lakola wa secrétaire général, je crois que tu m'y sabino. Pourquoi ajouen renga? Parce que nene. Donc yon na to, on va s'imposer sur les marchés politiques ya Congo. Na ba ide na biso. Tu comprends déjà voilà. Alors, na mekana koto na papa na biso monsieur Poutou. Lelo oyo papa na moni vraiment bozo lomba ki toko ndele ka papa le kesa lobaka pour bo convaincre peuple zolanda biso. Papa Poutou bolande penda lokola Claude Macha lokola papi Tamba. Donc vraiment MDFC. Ah to kaso ki bakamba zo lobo basaleli yango eza ki toko makasi. Lobela nanu na actualité to kota nanu sko na actualité mwa mukie na moni bolobi lobi awa na ebite papa na biso panzu awuti koloba ke non akoy koluka ba stratégie asika neti par exemple ba ville morte pona eza solution te to mekana nuko zongela na dialogue o papa na biso tshisekedi wa mulumba aboyaki apesa ki ba préalable na ye mais eza respecté te to ekomo na parmi ba prisonniers politiques o papa tshisekedi asenga ki ba bimisa li biso 21 na kacha 21 wana ba bimaka la deja ba prisonnier okutu bazaki la bango ba prisonnier politique te ba mibimela na bango kala a pa papa na biso Christopher Mutamba et les autres lelo oyo papa tshisekedi asengi ba boyi grand opposant charismatique le plus célèbre oyo ya Congo ba yokeli ete kodjo tolobi ke noto zana besoin kodjo te rassemblement mobima ba boyi kodjo mais tomoni kodjo a santete dialogue yangwane salami ba to société civile ba kota ki na kati désordre bimi ba lobi balingi lisusu kodjo te yo kokolo banini soki lelo bino boza na place na bango bokondi ba dialogue ya kodjo est-ce que bokondi ma ba proposition au papa tshisekedi a pesi bino bokolo banini boko sala nini na place na bango. Merci pour du temps. Une dernière phrase pour répondre à votre question. Il y a deux dialogues sous deux formes, deux contextes opposés qui s'affrontent. La force que le maire gagne, c'est devenu une compétition. Dialogue Yakoujo et Zali, dialogue Moko qui n'est pas crédible, qui ira nulle part sur le fond et sur la forme. L'intérêt, c'est pour permettre le glissement à Joseph Kabila, si je peux dire comme ça, souffrez de mon expression. Dialogue Yakoujo souffre d'une crise de crédibilité et de sincérité. C'est ce qui est appelé par le président en place. Mais sur le plan juridique, il est permis au président de convoquer dialogue. Il n'est pas hors la loi. La Constitution le prévoit. Mais il y a un bon nombre, puisque exclusivité. Quand on parle de l'exclusivité, c'est qui met tout le monde d'accord, pas en totalité, ce n'est pas une parole d'évangile, mais au moins, le dialogue de Kodjo ne sera jamais crédible à l'absence de Tshisekedi. L'interlocuteur, il réclame son impérium par rapport aux élections de 2011. Donc, je ne suis pas là qu'il le fasse, c'est perdre du temps, c'est de la distraction pure et simple. Ils sont en train de jouer avec les temps pour chercher à se retrouver. Le 15 septembre, initialement prévu, c'est la date pour recenser le candidat. Les 19, voilà, oui. Voilà, les 19. Donc, tout ça, ce sont des magouilles, des stratégies malhonnêtes. Il n'y a pas issue de sortie. Si c'était vous, Boko Salanini. Pour revenir au dialogue du papa Kabila, c'est qu'il dit,
Papa Tshisekedi, son dialogue n'est pas est remis en cause et quelque part n'est pas très soutenu, même dans toute la famille politique de l'opposition. Je n'ai pas à perdre le temps par rapport au dialogue Papa Tshisekedi. Il y a une chose que je vais dire, je profite pour les deux minutes qui nous restent. Moi, je ne me bats pas pour Papa Tshisekedi. Moi, je respecte Papa Tshisekedi, il a l'âge d'être mon grand-père, voire même plus que ça. Je le respecte au maximum. Je le reconnais, son combat, je le salue. C'est quelqu'un de l'énergie. Je ne suis pas dans ce plateau pour parler des pèses ni des papatis. Nous parlons du dialogue. Je ne suis pas des pèses, je ne suis pas tshisekédiste. Mais il est papa, je le reconnais. Je ne suis pas kabiliste. Je ne suis pas non plus katumbiste. Le culte des personnes, c'est ce qui tue. Les Congolais sont en train de mourir à Beni. Je ne vois aucune déclaration du papa Tshisekedi. Nous parlons du dialogue, monsieur. Non, dialogue, il n'y a pas de dialogue. Tout ça, c'est des camouflages. Si vous voulez le dialogue, revenons à la conférence nationale qui a été dirigée par Monseigneur Mosembo. Ça, ça avait une crédibilité. Mais ce n'était pas de l'avantage de Mobutu. Ok. Voilà. Oui. Si, Maître Baïna. Non, ça, la question, moi, est bien importante. Nous sommes presque vraiment à la fin. Tantôt on a évité, tantôt pour les spectateurs, on a évité. Pour le moment, tu le 19 décembre, mandat à Kabila aussi. Mais pour ça, on a été un peu mal. Le gouvernement est en place. On a évité le 19 décembre. Alors, la constitution est bonne. On est formé. L'élection est exactée. Aujourd'hui, on note que la constitution Mboka va repousser plus son mandat à Bango il y a 16 mois. Dans la constitution, il faut prévoir l'article 64 des Ali, où le peuple va se prendre en charge. Donc c'est ça. Les problèmes, c'est ça. Mais là, on a informé que la constitution Mboka, le col en bon élection, ça te va juste 16 mois. Non, c'est la constitution Mboka. On a un acte Mboka, il y a un gouvernement Mboka irresponsable. C'est vrai. Ah ouais. Nous avons, et puis, ça n'a pas douté. Il faut informer l'opinion publique. Ouais. Nous, par rapport à cette question, elle doit être bien répondue. Ça, et c'est bien clarifié. Ouais. La situation actuelle du Congo, nous allons vers une transition. Il doit être soutenu, accompagné par la communauté internationale. Le Congo n'est pas un pays comme Burundi, comme Rwanda, comme Brazza. Ce que je déplore, ça me fait mal de voir les intellectuels dire Rwanda, Bongi, Burundi. Le Congo, c'est là. La grande puissance, c'est la réponse de la crise planétaire de l'économie. L'Angleterre, pour avoir les jobs centers, c'est le Congo. L'uranium, les coltans, les Virgin. On ne peut pas laisser le Congo à n'importe qui. Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Il n'y a pas deux pays dans le monde qui aient le regard de la réponse de tout. C'est, ça se souvient du passé, qui fait des bruits. Mais le Congo, notre pays. Ça ne passera pas. C'est par rapport à notre richesse, entre guillemets, je dirais. C'est notre malheur. Donc, notre pays, nous allons vers la transition. Kabila, les 19, il doit partir. Il est conscient, ce n'est pas un animal. Il dort, il se réveille, il a un homme, il a une âme, il a l'esprit. Kabila, rapidement. Kabila, les 19, partira. Avant les 19, il y aura des mouvements, il y aura des perturbations, il y aura des changements totaux. Monsieur Panzo, ouais. Si on arrivait le 19 décembre et que Kabila a quitté, c'est vraiment une question difficile. Au moins, je crois que ça manque il y a système politique en dehors de l'Oba, mais je crois que dans la zone tuna, pourquoi le président Kabila a dit qu'il a signé la constitution, ce que Kabila a respecté. Et puis tu as la crise où les allés. Il fallait président Kabila yimoko abima question à yozo répondre. Bon, en tout cas na minute yo tout ça dans les 19. Je peux pas dire seulement que non les 19 donc ça la boue parce que le protocole la mukana tongo président Kabila le 15 septembre dans le comité avec élection ezala ou bien peut-être les 19 peut-être qu'est-ce que donc on n'est pas encore. Mais l'idée il faut zala na vision ya musika oyé ba déjà le colline quoi toujours on comprend qu'on zala limiter bo été papa il faut toyé ba supporter. Moi je pense que question wana papa Baïna a posé kango toujours supporter opposition crédible aux ça sur place. Nous sommes derrière toujours supporter ango peut-être que na zana leadership na ngote pour le moment donc c'est difficile vraiment na
Ce qui est conduit à la papa qui s'est par exemple, comme les autres bazar un peu babicolo nanga, j'allais peut-être en plus à la réponse. Mais je crois que le papa qui s'est dit, oh le loqué, toujours reconnaître pour la moussala. Non, ce qui est à la caillou, à la place de papa qui s'est dit, à niveau il y a sali, je veux faire partie président Kabila par force. Parce que, comment est-ce que Tshisekedi peut devenir président après soulèvement populaire? Non. Je ne me retrouve pas. Non. C'est... Et puis, tu as là-bas armé. Ceux qui... Non. Sans qui... armes en plus. Non. Notre peuple est avant ça. Le peuple est avant ça. Le problème, c'est que ceux qui ont dans la Constitution, normalement, président, ceux qui ont vacances et Zali, tu es bien hiérarchique. Je ne vais pas répondre à la question. Parce que nous sommes dans un pays où aujourd'hui l'opposition est organisée. L'opposition est crédible. Mais sans armes. Sans l'armée aussi. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce qui est le soulèvement pour que président Kabila qui, donc automatiquement, papa admettons, il y a une armée. Tu sais qu'il dit un rassemblement, il y a une armée. À côté de la le premier jour, il s'est soulevé, deuxième, troisième, quatrième. L'armée, il y a la police, il y a une armée. Bon. Au moins, sixième jour. Mais il y a un problème. Donc, nous avons une situation grave dans le niveau à Kivu, où il y a l'organisation, il y a tout ça. Donc, faire voir, par exemple, Banine. Mais finalement, je réponds à votre question. Au moins, Mourkili va dire, il faut que vous soyez là. Soulevant pour Zoloba, c'est bien. Mais après, tu vas faire combien? Et vous allez faire combien de temps? Même si vous comprenez, tout ça, il faut que vous calculez. Il faut que vous soyez là. Alors, je crois que Bato peut Mindelo Bato ngaba aider biso momoke. On va monique Bako un peu moins conscient que Basali ma belle mingi. Non, Basa conscient quand même que Basali biso pour ma belle mingi. Mais monique Bato ngo sikoyo ezala ko la bana. Yo za na banati. Et c'est moi non de vous avoir traité na âge 10 ans, sikoza na 20 ans, ezala ndenge moko. Mais je crois que les Bato trop bien ba occidentaux ba comprendre que les Congolais doivent avancer na même bido ko bozo condamné à waké. Autre chose qui ndeka pas na bango. Mais ça pressionne. Merci beaucoup, Papa Lekes. Vraiment, émission Leki Kitoko. Merci, Papa Labiso.
papa Justin Panzou et puis papa Labisson pour tout. Dernière question nanga ezali boye. Papa ozali moto tangi ba classe awa aussi si ba université na yo licencié otangi politique surtout en Angleterre mboka oyo vraiment eza makasi to bengango a grand monde. Le loso ki bati au président de la République ya Congo. Na libulu na ebite so na bengango libulu mazengele oyo président Kabila atimoli. Pona yo, po Congo ezonga, ndenge peut-être na époque ya ba Belge, eko zonga na combien, dans combien de temps? Bon, en tout cas, bon, na ebite na Angleterre. Ouais. Oui. Ouais. To bengango ba benga net smart, ke loba jamu le kamuso za la projet moko boiko sa la combien de temps? Mais na niveau ya pays, eza difficile baka ke mbala moko. Mais je crois que ce tu as une expérience, tu as là papa Mouzé. Les rakuta qui na Kinshasa. Bato bazaki na Congo, ngamo na kinaka na Congo na na Prewana, na santa pensa kilo involontairement bato moi conscience mbala moko, aujourd'hui, donc moi j'ai en tout cas mon babiloko na 2000 na kinaka na Congo, na mon babiloko e chokangai. Ndeke mon etolo papa ki sekede. Pourquoi même bato tozo kendeke partout bako ebisa yo ke il faut respecter Mbatabo parce que c'est le seul parti dans le monde et s'installer sans bongo. L'IDPS est s'installer dans le Congo sans bongo. Pour nini, Moutouazo Kambango a sa crédibilité, Mokoboye. Donc voilà un peu le niveau de Bissotonito, Landa, le couloir. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien avec MFCD. Mais n'a pas tout dans Moussouna et Souka quand même. Mais vous allez nous permettre de nous connaître en amont. Voilà, on passe message passé, j'ai attaqué rapidement. Mais ok, on a détaillé, mais dis-moi, n'a pas tout dans Moussouna et Souka. Oui, vas-y. N'a pas tout dans Yoboué. Aux alliés politiciens combattants, ceux qui oui. Comment na yo est un niveau nini nan to mona yo te na ba marche à Londres to o baninga bazo sala a ceux qui non est-ce que relation na yo na ba combattant est un nini nga na suki na ngawa bon je crois que na sa politicien mais na ko lobate lelo ke nga na bundite je crois que peut toujours tenter lelo mais je crois que dernièrement le na le kaki pa papa baina amoni je crois que na sa parmi ba premier na diaspora wa pour quand la congrès américain. Bon, il y a trois bases à la pression. Oui, bon, c'est bien, mais on va toujours chaque pression. Merci. Bon, question à Salim Tebougui, moi, il est de vous. Ozali, politicien combattant. Je suis politicien, simple. Mais, dans ce sujet. Relation à Yoni, n'a pas combattant. Bon, c'est depuis 2009, les gars, c'est une université, n'a pas passé par combattant, n'était en Angleterre, la majorité n'a pas été là-bas. Écoutez, maître, il y a qui est ma famille. Il faut combattre les Allah, guider. Il faut que donc trop diplomatie politique. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Et nous sommes en train de se faire. Parce que toujours que nous sommes en politicien. Mais les gens qui sont en train de il y a peut-être une réponse. Et que vous avez une réponse. La dernière, oui, c'est voilà. Juste pour tirer Penza. Émission d'Abisso, il y a après-midi. Merci, ça, c'est notre communauté, communiqué, pardon, pour l'APSIS, qui a été rédigé par le président, dont je suis en charge de vas-y, rapidement. Vous lire. En rapport avec la crise politique et la cacophonie du dialogue qui préoccupe notre pays, le Congo. Les mouvements des forces congolais. Congolaise de la diaspora en sigle MFCD déclare que la crise ne peut plus perdurer. Ici, nous demandons au gouvernement et à l'opposition de mettre un terme aux suspicions inutiles qui traumatisent notre peuple au regard des événements actuels. Cette crise politique créée inutilement par le pouvoir qui tient à défier notre peuple ainsi que l'opposition crédible et sincère envers le peuple congolais, moi, M. Justin Panzo, réaffirme que le combat de notre peuple mené pour un Congo véritable état de droit est en train de prendre la dernière tournure de son histoire. Et nous rappelons que les querelles internes délits d'épaisse ne doivent pas distraire le peuple congolais. Nous invitons tout Congolais à l'unité, car l'heure est grave, si grave même, je dirais, c'est maintenant ou jamais. Aux combattants, désormais, prenez
votre conscience, ramenez-la en place pour éviter toute forme de distraction qui naissent au sein de votre unité. Revenez dans votre combat idéal initial qui a commencé, débuté aux années 2006-2007. Et il n'y aura plus un combattant pro-rwandais, un combattant pro-rwandiste ou de la Pareco, ou combattant tshisekédiste. Vous êtes combattant par volonté et vous avez été engagé par personne, vous avez pris le risque de sacrifier vos vies pour défendre celles du peuple congolais qui souffre gratuitement, innocentement. Aujourd'hui, ne vous laissez pas aux flatteries, aux intentions malhonnêtes de ces politiciens qui cherchent à profiter de votre grand travail pour leurs intérêts personnels, pour leur prise de positionnement politique. Le vrai combattant doit a priori combattre pour sauver sa patrie, qui est notre mère à nous tous, fils du pays, congolais et congolaises. Aujourd'hui, je remercie et je salue votre dévouement, vous mes chers combattants, que vous avez quand même lancé un message fort qui a été capté avec beaucoup de considération et attention particulière à la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous sommes, en train de voir le bout du tunnel. Et j'ai tenu à cette occasion pour vous remercier mon intention, ma toute sincérité de vous dire merci pour le travail. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous donner la force pour continuer en bonne position, bonne motivation pour libérer notre pays. Vive le Congo, vive la diaspora, vive notre unité au sein de la communauté congolaise dispersée partout dans le monde. Je dis et je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien. Là, nous avions parlé avec monsieur Justin Panzu Nyangasa, mouvement de force congolaise de la diaspora, Boyoki et Makamalobi, tout soutenir lié à Benimbela. Bato pe bazana besoin comme ba politicien na Congo. Bozala ka ba politicien te bokoti avion, na kati avion boko mi politicien. Tant bozonga na itro na aéroport à Bangui awa, bo bata mi na mino na bandako. Na Congo bozolo be belé belé sur la politique mais awa tout monde na binoté. Je ne sais pas si bozo sala ngo pour avantage à Kabila tout ya ba congolais. Ici avec moi na zalaki na maître Baina, o ya sala ke mission na ye, toza déjà ko sepela na maman Marceline ya Congo bololo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. Merci et bon week-end chez vous. Bye-bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www